Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez à l'écran. Si vous vous connectez tous les jours sur cette map, on finira bien par débloquer l'XP et on pourra vous proposer de meilleurs glitches d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours sur cette map pour nous aider à débloquer l'XP. Donc merci à tous, le code sera en description, en commentaire épinglé. Alors le code du glitch de cette vidéo est le 1 5 2 5 3 2 7 7 3 7 4 7. Donc voilà, vous entrez ce code, ensuite vous lancez la map et vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, merci à tous ceux qui le mettent. Ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Il faut savoir que le code s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à l'actualiser. Et par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc quand vous arrivez dans cette map, ce que vous allez faire, c'est tout simplement appuyer sur Options, aller dans Paramètres, Menu, lancer le jeu. Et là, ce que vous allez faire, c'est soit faire le glitch directement, ou alors vous allez attendre 10 minutes. Moi, je vous conseille d'attendre 10 minutes, donc là, vous cliquez sur Yes. Ok, donc moi je vous conseille d'attendre 10 minutes, donc il y a un petit chrono là qui s'affiche. Si vous attendez 10 minutes, vous allez obtenir plus d'XP normalement. Donc moi je vous conseille quand même d'attendre, après vous pouvez faire le glitch directement si vous n'avez pas le temps. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais attendre les 10 minutes et je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire juste après. Donc voilà, là j'ai bientôt fini d'attendre les 10 minutes. Et ce que vous allez devoir faire, c'est aller près du bouton code créateur. Ensuite, vous allez compter 1, 2, 3, 4 carrés, comme ceci. Et là, vous allez construire une rampe, pas devant le bouton code créateur, mais juste ici, dans la petite mitraillette, le pistolet automatique. Vous allez construire 4 rampes, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous construisez un sol. Donc là, votre personnage devient bleu et vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc voilà un peu où je me trouve via la construction. Et ici dans le coin, donc, quand vous avez construit votre sol, dans le coin au fond à droite, vous avez un bouton interagir. Vous interagissez avec. Ensuite, vous regardez de l'autre côté du tableau rouge, donc vers le logo de l'aéronef. Vous sautez. Vous arrivez ici. Là, il y a un bouton interagir. Donc, vous interagissez avec. Ensuite, il y en a un autre ici. Vous interagissez avec aussi. Là, ça vous donne des XP. Okay, donc là, on est déjà à 8000. Alors ensuite, il y a un autre bouton qui est juste ici. Vous interagissez avec aussi. Donc là, on est à du 8000 plus 16000. Ouais, on est à du plus de 20000, 20-30000. Ensuite, vous remontez ici, en dessous du logo. Vous allez ici, là, vous avez un bouton interagir. Vous interagissez avec, boum. Alors ensuite, là, normalement, dans le coin droite, vous avez un autre bouton. Continuez à interagir. Ici, vous avez un autre bouton. Vous continuez à interagir. Parfait. Ensuite, vous rentrez. Vous montez sur les caisses. En dessous de l'escalier, il y a un autre bouton. Vous interagissez avec. Ensuite, vous montez en haut de l'escalier. Là, près de la lampe, il y a un bouton. Vous interagissez avec aussi. Vous allez dans l'entreporte. Juste ici, regardez, il y a un autre bouton au-dessus de la porte. Vous interagissez avec. Voilà. Et là, normalement, il y a des boutons qui sont restés. Donc les boutons qui sont restés, vous allez pouvoir interagir encore avec. Hein. Normalement. On va regarder lesquels sont restés. Donc là, ils ne sont plus là. Ici, il y en a encore un. On va essayer d'interagir avec. Vous spammez la touche. Hein. Là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ici, il n'y en a plus. Donc on redescend en bas. On interagit avec ce bouton. Ne donne pas plus d'XP, celui-là peut-être non plus. Il y en avait un autre ici. Ok, j'ai l'impression que les autres boutons ne donnent plus d'XP, donc vous pouvez interagir qu'une seule fois avec pour gagner des XP. Alors comme ceci ne fonctionne plus, je vais vous montrer un autre emplacement. Donc vous faites option menu réapparaître. Donc là, quand vous allez réapparaître, vous allez atterrir dans cette map, enfin dans la map principale. Vous allez près de l'XP Shop, juste ici.
Voilà, vous interagissez avec le bouton. Ensuite, vous arrivez ici. Là, vous avez un bouton que vous allez pouvoir interagir et spammer en illimité. Regardez, chaque fois que je le spam, je gagne plus de 175 d'XP à chaque fois. Donc, si vous avez un autocliqueur, bah, vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Ici, vous avez des serveurs que vous allez pouvoir détruire. Donc, vous collez contre le serveur pour taper le point faible à chaque fois, jusqu'à temps que vous le détruisez. Il a 10 000 de PV, donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, je vais le détruire. Ok, donc là, j'ai bientôt fini de le détruire. On va voir combien ça va me donner d'XP. Ça me donne 5000 d'XP. On va détruire le deuxième. Ok, donc là, j'ai bientôt fini de détruire le deuxième. Et celui-là me donne 5400 XP. On va voir le troisième. Ok, donc le troisième me donne 6000 XP. Alors ici, vous avez un bot que vous allez pouvoir tuer en illimité. Il suffit juste de mettre un élastique sur votre touche tirée. Et regardez, ça me donne 129 XP à chaque fois que je le tue. Donc si vous mettez un élastique sur votre touche tirée, ça vous gagne, vous gagnerez des XP en illimité. Toutes les 5 secondes, vous gagnerez 129 XP. Donc ça, c'est une technique avec le bot. Alors ici, vous avez un rebondisseur. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une rampe comme ceci. Ensuite, vous modifiez la rampe, vous l'inversez. Voilà, ça donne ça. Ensuite, vous avancez vers la rampe, comme ceci. Et là, vous appuyez sur votre bouton tactile. Et là, vous allez voir que vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire parce que la course automatique va s'enclencher et vous allez rebondir en illimité sur le rebondisseur. Et là, regardez en haut à droite, je gagne 30 XP, voire 40 XP toutes les secondes. Donc, c'est une troisième façon de gagner des XP en illimité. Donc voilà, alors ensuite il y a un autre bouton que vous allez pouvoir interagir, mais uniquement si vous avez attendu 10 minutes, c'est ce bouton là. Donc quand vous allez interagir, ça va vous prendre 30 secondes avant que ça vous donne de l'XP. Donc je vais attendre les 30 secondes et on va voir combien d'XP je vais gagner. Ok, donc là j'ai terminé et celui-là me donne 6000 XP. Donc voilà, vous avez plusieurs solutions pour gagner des XP en illimité. Donc soit vous utilisez le rebondisseur, soit vous utilisez le robot. Enfin, le bot plutôt, ou soit vous utilisez un autocliqueur pour cliquer sur le bouton en illimité. Sans compter que si vous restez en AFK dans la map, ben vous allez gagner aussi des XP en illimité sans rien faire. Donc là, maintenant, quand vous avez terminé le glitch, si vous voulez gagner encore plus d'XP, soit vous arrêtez le jeu et vous relancez la map en illimité et vous recommencez tous les glitchs, ou alors vous pouvez utiliser la technique secrète qui est en description, en commentaire épinglé, qui vous permettra de gagner 5 fois plus d'XP dans n'importe quel glitch de Fortnite. Donc si vous ne connaissez pas l'astuce, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en description, en commentaire épinglé. Donc là par exemple, j'ai gagné 2 niveaux dans cette map. Donc ça veut dire que si j'aurais utilisé la technique secrète, bah, j'aurais gagné 5 fois plus, donc ça m'aurait fait 10 niveaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.